C'est bizarre, Força. Je ne me rappelle pas vous avoir confié nos codes d'accès. J'essaie juste de me tenir au courant, capitaine. Faut croire que cette reine des lames file les chocottes à tout le monde. Elle a pas l'air si coriace. En fait, vous ne savez vraiment pas qui c'est, Ticus. J'en ai même rien à secouer. C'est important pour Jim. Ils étaient proches avant. Une petite minute. Tu veux dire qu'ils étaient maqués? Apparemment, elle était différente. Avant que les herbes ne la prennent et ne la transforment. Et Jimmy se sent responsable, hein? Franchement, si on doit l'affronter de nouveau, je ne sais pas ce qu'il fera. Avec une femme comme ça, il n'y a vraiment pas 36 manières de faire. J'ai surpris Ticus en train de pirater notre base de données à la recherche d'infos sur Kerrigan. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il est clair qu'on ne peut pas lui faire confiance. Matt, Ticus et moi, on se connaît depuis un bail. On a fait les 400 coups ensemble. Quand on a été rattrapé par la justice, il a écopé pour nous deux, sans jamais me balancer. J'ai eu une seconde chance. Lui, il est allé au trou. Je comprends votre loyauté, monsieur, mais... J'ai une dette envers lui, Matt. Laisse tomber. Oui, commandant. Ici Donny Vermillion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Donny. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Ergs batte un cœur humain? Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Donny, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate! Dans ce cas, la grande question est, comment pouvons-nous la tuer? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Les potes de Moebius ont déjà mentionné que la Reine des Lames en a aussi après ses artefacts. Tu sais, moi, il me file juste les missions. C'est quoi le problème, de toute façon? Descendre cette salope rendrait service à tout le monde. Je pensais que tu t'intéressais qu'aux frics, Ticus. Y a rien qui m'empêche de faire ma part pour l'humanité, tout en ramassant du pognon au passage. Bien sûr. Cette femme Zerg avait l'air de vous connaître. Ça vous a vraiment secoué, non? Elle et moi, ça fait un bail. C'était une fantôme à l'époque, quand on bossait avec Mens contre l'ancienne Confédération. On faisait une sacrée bonne équipe. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est... tombée au combat. Sans vouloir vous vexer, Doc, j'aime vraiment pas en parler. Je comprends. Si jamais vous changez d'avis, je serai là. L'équipage raconte des histoires étranges en ce moment à propos de bruits inexplicables, de visions, de voix dans l'obscurité. Il paraît que ces trucs sont hantés. Balivernes et superstitions. Les artefacts sont complètement inertes et isolés au labo. Il y a bien quelques traces de radiation, mais je ne vois pas comment ça pourrait avoir un effet dans le reste du vaisseau. Ce serait moche de tomber sur une technologie inconnue capable de perturber nos petites cervelles de primates. Surveillez-les de près, Doc. Ça va aller, commandant? Revoir Kerrigan après toutes ces années? On doit l'arrêter, Matt. Peu importe ce qu'elle cherche. Au moins, cette fois-ci, on l'a retardé.
Visiblement, elle attache de l'importance à ces artefacts. Il faudrait juste qu'on sache pourquoi. On dit que le grand Jim Raynor reprend du service, mais qu'il manque de fonds. On trouve le minerai le plus précieux sur Pierre Rouge. Et avec l'invasion Zerg, les Kel'Morian ont plié bagages, en laissant tout sur place. Des gens entreprenants pourraient y faire de gros profits. Retrouvez-moi à Pierre Rouge si vous voulez une part du gâteau. Pierre Rouge, sale endroit. Je t'ai déjà dit à quel point je déteste les planètes volcaniques. Content de vous voir ici. On m'appelle Tosh. Aidez-moi à extraire le minerai dont j'ai besoin. Et vous n'aurez pas à le regretter. C'est quoi le piège ? En fait, cet endroit est un peu instable. Les terrains les plus bas sont régulièrement couverts par la lave. Bien sûr, c'est là qu'on trouve les gisements de minerais les plus riches. Mais ce sera pas un problème pour un vrai dur comme vous. Commandant, je détecte également des biosignatures Zerg à la surface. Il va falloir dépenser une partie du minerai extrait pour défendre notre exploitation. Et plus nous dépenserons, plus la mission prendra du temps. Ah, des Zerg et de la lave. Tout ce que j'aime. Allons-y. Augmentation de l'activité sismique. La prudence est recommandée. Très bien, les gars. Beau boulot. On a ce qu'on était venu chercher. Sortons de cette enfer. Déjà terminé. Vous êtes vraiment aussi doué que je crois qu'on est, monsieur Raynor. Je pense que vous et moi, on aura encore beaucoup à se dire. Beau travail, commandant. Cette mission sur Pierre Rouge a remis nos finances sur pied. Pourquoi est-ce que ce Tosh est monté à bord ? Il voulait vous en parler en personne, monsieur. Il a laissé entendre qu'il avait d'autres collaborations commerciales à vous proposer. Tu t'es renseigné sur lui ? Bien sûr, et ce n'est pas un pirate. On raconte qu'il serait un fantôme renégat, et qu'avant de disparaître, il était l'un des meilleurs assassins du Dominion. Maintenant, Menx le déteste, presque autant que vous. Ah, on s'est bien aimé, ce mec. Mais on ferait quand même mieux de garder un œil sur lui. Oui, commandant. T'as déjà entendu parler d'un certain Gabriel Tosh ? Juste des rumeurs. Si j'ai bien compris, il serait lié à une branche secrète du programme Fantôme, d'où sont sortis quelques gros durs vraiment flippants. Avec Tosh a pété les plombs et s'est rebellé. À ta place, je la jouerais mollo avec ce gars. C'est le genre à te trancher la gorge et tu le regardes de travers. J'ai déjà bossé avec des fantômes renégats avant. Ce sont ceux qui travaillent encore pour Menz qui me posent un problème.